tes vieilles jumelles de PD là. Eh, épisode 8, c'est ça, il y a épisode 8. Tu veux pas vite sur ma chaîne, je vois une fois rentrer Windows. Hello les amis, c'est Master Snaku, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Alors c'est vrai que ça faisait longtemps que je vous ai pas proposé du Unturn, mais pour cause en fait, c'est que il y a rien de nouveau en fait. Donc on vous a montré un peu la totalité des choses à vous montrer. C'est vrai que bon, la tour, on aurait pu finir la construction de la tour, on va le faire. C'est vous inquiétez pas, c'est prévu pour la sortie de la mise à jour 3.0. Mais pour le coup, j'avais encore les enregistrements de donc des épisodes que j'avais sortis donc sur Unturn, et je me suis dit au lieu de les supprimer, de les effacer, autant garder les séquences marrantes donc que j'ai pas diffusées sur YouTube donc avant de commencer à tourner. Donc vous imaginez bien qu'on parle avec R, etc. Et du coup il y a des séquences plutôt marrantes que j'avais sous le coude. Pareil, il y a des séquences que j'avais coupées au montage parce que j'estimais que ça méritait pas, enfin sa place dans un épisode. Et aujourd'hui je vais vous proposer un best-of, donc de tous ces moments fun, délire, what the fuck. Donc il y a plein de passages exclusifs que vous allez voir dans la vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, la partager, et moi je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage, c'était Master Snaku, tchuss. Okay, bon, j'ai trouvé un blow torch ici, mec. Oh, la calmance. Ne le vole pas. attends, c'est un vaccin? Ah non, c'est de la même amie. C'est un vaccin. Et quoi, t'es niqué, toi? Ouais, je suis irradié, toi. Un follow. I follow you. Non, mais... la réparatance. Non, juste pour moi montrer la réparation quoi, du camtar. Attends. Et j'ai mis ta clope. Est-ce que je peux te faire des dégâts avec? Non, vas-y, ça fait. Non, ça répare. Bon, tu répares ton camion ou c'est comment là? T'es large, Rick, mec. Allez, c'est parti. Allez, réparation du camion. Et d'ici là, je pense qu'on aura assez de points de skill pour faire les caisses et pouvoir s'établir vraiment, parce que là, ça on dirait un petit peu un camp de roumain, là. C'est quoi ça? En plus, il y a des carottes voilà. dans le puits. On avait une belle ferme, regardez ce qu'ils ont fait, les roumains. Ils sont venus, ils ont tout jeté par terre. Non, The Walking Dead. C'est énorme, bien de s'installer dans une ferme, j'aime bien, moi. Non, franchement, ça fait un peu... tu sais quoi, tu seras Herschel, je vais t'appeler Herschel. Voilà. Non, j'ai pas le droit de choisir qui je suis. Non, Rick, tu vas me dire Rick. Ah oui, quoi que Rick avec ton chapeau, c'est bien. Mec, je suis Rick, mais en chauve. Rick, y'a pas de vœux, je sais. Putain. Moi, si tu me dis que t'appelles Shane, je te bute de suite. Hein. Non, t'inquiète, bon, tu vas Shane. Je suis Sarah. Non, elle s'appelle comment la meuf? Y'a pas de Sarah en fait. Non, mais Sarah Tancredi dans Prison Break, elle s'appelle comment? La nana là. Sa okay, femme. Y'a que toi qui a la Prison Break. Ok. Non, mais j'ai regardé Prison Break, t'as pas regardé Prison Break? T'es sérieux? Jamais. Non. Mais si, ouais, j'étais tout le monde à la prison break. C'est pour le mec qui se met de la crème. Allez, je vais te mettre tout par okay. terre. Ok, hey, Yar, tu rappelles-moi de couper ça au montage, s'il te plaît. non, je déconne. Le lit, je te mets là, dans la laverie. Attends, mais pour le coup, on peut se projeter un petit peu plus dans l'avenir. Tu veux t'installer d'abord ici ou d'abord dans la grange? Bah, on va pas s'installer ensemble, Yar, quand même. Si? Ah, mais je suis déçu. Je suis déçu. Pose bien pour toi. Je te mets... Je te la mets là. Vas-y, je suis derrière toi. Je peux aller. Ouss. Là. T'aimes bien comme ça? Eh, c'est un lit de merde. Eh, mec, il est propre, ton lit. Il est tout petit. C'est un lit militaire. Qu'est-ce que t'as fait avec le scrap metal? Bah, c'est ça. C'est le petit canard. Allez, quoi. Ah, je suis coincé. Ah, mais tu me dis, on peut sauter en fait ici, sans se casser. Ouais, t'as l'air d'un con en plus. Ouais. Je te voyais les bras en l'air. Vas-y, refais. Fais-le. Mec, mais c'est ça, tu te coinces quand tu descends. Emmène-le. Attends, snare, c'est quoi? C'est-à-dire que là, leg breaking. Ah, c'est un piège à loup. Ah ouais? Le snare, c'est un piège à loup, ouais. Du coup, ce que je vais faire. Je pense que ça va plutôt être un piège à nous si tu le poses. Donc, je peux le mettre là? Voilà. Eh, c'est un piège à nous. C'est un piège à nous. Ok, 3, 2, 1. Hello les amis, c'est Master Snaku, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui avec un Master Barbu qui est triste et je sais pas ce qu'il a comme tête de merde. Tiens. Master Maçon, s'il te plaît. Master Maçon aujourd'hui. Salut Yar. Salut Snake, salut. Comment vas-tu? Ça va très bien.
Ça va très bien. Tu vas mieux? Très bien. Ouais. Tu vas mieux? Très bien, je suis malade, ça va très bien. Voilà. Donc juste pour information, Eyar est un peu malade, donc s'il a la voix qui rauque ou s'il éternue, si tout c'est normal, il a un peu la crève. Et genre racle la gorge. Si vous entendez non, truc dégueulasse. J'ai aucune peine, je te nique ta race. Dans les veines, je n'ai que de la classe. Hein? T'as dit quoi? C'est ça le début? Ouais. Ok les amis, on est reparti, donc le soleil vient de se lever. Eyar, on a profité pour aller manger. L'heure du petit déjeuner. C'est l'heure du petit déjeuner. T'as de la chicorée ou pas? Non. Non, ok. Elle a fusionné. C'est avec parfait. La plateforme. En fait, vous la voyez comment je l'ai vraiment placé de manière précise. En fait, c'est ce qu'on appelle la master précision. Donc, cherchez dans le dictionnaire, vous allez voir en fait, c'est lié à Master Senaku. Question. Oui. Est-ce qu'elle s'accroche automatiquement oui. Oui. À la suite? Oui, Eyar. Je vois que là, t'as fait une master échelle. Je vais te montrer, Eyar. Eyar, je te montre ça tout de suite. I love rock and roll, so much time, but too much baby, I love rock and roll. Ok les amis, on est de retour, donc attends, on va recommencer parce que j'ai fait n'importe quoi, je chante et je dis on est de retour. Mais parce que j'ai essayé de faire ça moi en même temps, mais les gens, je me suis rappelé. Bon, allez, on est reparti. Bon, les amis, on est reparti donc Tout au long de la journée. Moi, il y a plein de maïs. Attends, y'a pas de médocs là dans le qui m'a forcé. Il me force mec, à aucun travailler. Médoc. Moi, je rêve de liberté. Je travaille dans les cannes à sucre. Eh, hey, tu peux arrêter de faire le. Un bon coup de canne à sucre. Fais ça de ma journée. Mec, je suis en train de planter des rangées. C'est pour la survie de ta chaîne que je fais ça. Ouais. Il mais... donc bastos comme ça. Ouais mais c'est pas mal aussi, pas mal. C'est pas bon, tu peux revenir jouer. C'est bon. Ok, on est parti, ouais. 3, 2, 1. Tout au long de la journée. C'est quoi, t'as cet épisode combien? C'est 7, 8. Quel épisode? Altab. I follow. Mec, j'enregistre depuis tout à l'heure, hein. Donc c'est quand tu veux, mouille. I follow you. I follow you. Les coulisses du tournage. Hello les amis, c'est Master Senaku. J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui avec l'enculé de Perriar pour une nouvelle vidéo sur Hunter. Salut gros bâtard. Mais hier, tu fais quoi là depuis tout à l'heure? Tu fais quoi là? Tu fais quoi? T'imagines ça? Sorry, tu me rends ouf ma parole. Vas-y go. Ça y est, je suis là, enculé. Quand tu auras besoin de maïs, tu verras, tu seras pas content. Ouais, vas-y, raconte-moi. Something strange. And the neighborhood. Vous les tuez ou pas? Ouais, vas-y. Non, mais c'est pas mon sommeil que je voulais. Trace. Ghostbuster! Elle est où la voiture? Elle est là? Elle est là! Bouge pas. Putain, mec, j'ai appuyé deux fois sur contrôle. Comme un connard pour baisser mon arme. Non, moi je fais alt, deux fois alt, tu sais, pour en mode arma, pour aller autour de moi. Ouais, c'est ça, tu sais, en mode arma quoi. Franchement, je joue trop arma, mon gars.